Wow. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale dans le sens où elle n'était pas prévue du tout. Je pensais faire une toute petite sortie sur un secteur que je connaissais pas, en fait c'est un nouveau secteur que j'avais jamais pêché. Et donc je pensais pas faire de vidéo. Vu comment ça s'est déroulé, j'ai décidé quand même de vous le partager. J'étais venu à la base pour du cheven, mais ça s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Et je me suis retrouvé à pêcher un poisson que j'avais jamais essayé de pêcher. Et au final, j'ai pris vraiment pas mal de plaisir. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé en nuel comme ça. J'ai pris vraiment des beaux rushs, c'était vraiment marrant sur la 0,44 grammes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime et un commentaire. J'ai vraiment besoin de votre soutien comme je suis encore le tout début de la chaîne. Moi, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Filmez même pas. Demande l'épisode s'il te plaît. C'est un mini barbeau j'ai l'impression. C'est ça que je voulais hein, au micro jig. Ouais c'est ça. Allez non, on a épuisé de bazen. Hop. Microduque. Un petit barbeau. Voilà. Oh là, il y en a un gros. Je sais pas, je viens de voir deux gros poissons passer. Ils remontaient. On a vu, ils nous ont vu. Poisson. T'inquiète. C'est un petit barbeau. Attends, je vais essayer de descendre. Recule. C'est un petit barbeau. Bon, il y en a plein. Ils vont tout près de lui. Bah, j'en ai vu trop quatre.
Ah non, pas... Non, non, non. Ouf. Il a frotté contre un rocher. Genre 0,44 grammes, ça se bat comme un diable. Oh là, il est dedans. Putain. Hop là, yes. Attends, d'abord je vais faire une petite photo, tu veux bien? Voilà. Bon ben voilà, je continue ma petite pêche au micro-jig. Pour le moment je fais deux barbeaux et je suis avec ma canne 0,44 grammes et un bas de ligne en 4 livres. Donc c'est assez marrant. J'étais venu plus pour faire du schwen, mais bah, ils sont barrés dès que je suis arrivé. Donc j'ai vu 2-3 barbeaux au fond, j'ai mis un micro jig et j'ai réussi à les faire tout de suite. C'est assez marrant. Faut vraiment faire racler le micro jig sur le fond pour que les barbeaux viennent le ramasser. Oh, poisson, poisson. Oh, ça a l'air plus joli. C'est mon épisode, s'il te plaît. Dans le courant quand même avec la 0,44, c'est quand même pas mal, hein. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il est plus haut que les deux autres. Oui, c'est encore un barbeau. La canne. Hop là, yes. Ah oui, il est plus beau. Il est beaucoup plus gros que les deux autres. Je viens d'en faire un joli, un bon 55. Hop là.
avec lui sur vous. Et par ici. Hop là. Trop bon. Allez, un troisième, un quatrième. J'ai l'impression que ça va être un quatrième dans mon cul. Oui, oui, oui. Poisson. C'est un petit. Ouais, ouais. Le quatrième. Mais beaucoup, il fait la moitié de du précédent, mais bon. Hop. Ah non, il est ressorti. Hop là. Un tout petit. Remettre à l'eau avec les puyettes. Hop là, il est reparti. Voilà, après le quatrième, on continue. Bon, ici, je suis plus au micro jig, mais j'ai un petit leurre souple. C'est le même que j'avais en trailer en fait sur mon micro jig. Parce que le micro jig, bah, je l'ai perdu. Donc c'est un petit worm de chez Reint en 3 pouces avec une petite tête plombée de 2 grammes. C'est plutôt pas mal pour le moment. Moi je m'amuse vraiment bien. J'avais jamais essayé de pêcher les barbeaux. Et ici c'est par hasard que je suis tombé sur le premier. Et franchement ça met un combat génial, c'est trop bien. Oh. J'en ai raté un. Bon, et pour trouver les barbeaux, c'est assez simple. Je suis sur une zone où c'est que du caillou. Et en fait, avec les polarisantes, je les voyais se frotter contre le fond. Et alors, ça fait des reflets. Je suis au fond. Et quand je voyais ces reflets sur le fond, ben, je lançais un peu en aval. Et je laissais bien mon leurre aller gratter les cailloux. Et c'est comme ça que je les ai faits.